Seigneur, nous te présentons toute la vie de notre amie Elisabeth Pym. Les efforts qu'elle a su faire pour aimer, sa vie, son travail, son dévouement. À travers joie, peine, souffrance, nous t'offrons cette richesse de vie. Pour les qualités que nous aimions chez elle, sa bonté, sa générosité, sa spontanéité, son charme et sa gaieté. Pour la part de joie et de bonheur qu'elle a donnée autour d'elle, et qu'elle a su recevoir des siens et de ceux qui l'aimaient, pour les peines et les souffrances qu'elle savait porter, nous te remercions, Seigneur. Amen. Par rapport aux autres gens. Vous savez, moi, je l'ai baptisé, alors... Mais vous êtes prêtre. Vous avez baptisé tout le monde dans la vie. Oui. Sauf votre frère. Oui, mais mon frère, il a refusé. Bonjour, Anna. J'étais une très bonne amie de votre mère. Et si tu as besoin de moi, n'hésite pas. Elle m'a beaucoup parlé de toi et de ta sœur. Merci, ça me va droit au cœur. Ça me fait plaisir. Arrête d'enfiler les coups, c'est bon. Quoi? Tu vas finir saoul. Et alors? Eh ben, regarde. Regarde quoi? Maman est morte. Ah bon? Maman est morte. J'ai vu que maman était morte, mais toi, t'as pas l'air de l'avoir vue. Arrête, calme-toi, j'ai capté son œil de sa façon. Oui, bah toi, on dirait pas que tu es en train de le vivre. Hein? Calme-toi. Avec le sourire, comme d'habitude. Calme-toi, c'est bon, tout le monde me regarde. Mais Vera, t'es saoul. Vera, calme-toi. Arrête. Ça fait 40 ans que je suis prêtre dans ce village. 40 ans, vous vous rendez compte? Et c'est le premier enterrement que je fais. Je suis désolée, franchement, pour tout à l'heure, j'aurais pas dû. C'est moi la grande sœur et c'est toi qui prends tout en charge. C'est toi qui prends tout en main. Je sais pas, je suis paumée, j'en ai marre. Je suis désolée. Oui, donc André. Je disais, le rendez-vous pour mardi sera maintenu. Bonjour, bonjour, là c'est vous. Par contre, l'horaire sera différent. Je pense que 16h serait une heure. Bon, bah, je ne vois pas d'autre chose à vous dire. Au revoir. Alors, Vera Prime, c'est ça? C'est ça. Le sujet de votre. Ah oui, toutes mes condoléances. Vous voulez vous léguer ceci? J'ai juste besoin d'une signature pour signer. Signer. Très bien. Bon, et ben, au revoir. Il est encore toutes mes condoléances. Merci. Au revoir. Maman? Maman, qu'est-ce que tu fais? Maman? N'oublie pas le journal du jeudi. Oui, t'inquiète pas. Je suis ici. Maman! Elisabeth? Oui? Il y a quelque chose qui m'appartient. Une montre. Non, je n'ai pas de montre. Mais je vois ce petit jeu-là. Je sais que c'est toi, t'es pas invisible à la pharmacie. Je n'ai rien du tout.
n'auras qu'une seule chance. J'ai pas, non, j'ai pas. C'est pas un jeu. Finis par faire patience. J'ai rien du tout. Maman, non, mais j'ai pas le monde, j'ai rien du tout. Tiens, j'ai pas le monde. Mais maintenant, je te tue. De toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour tenir tête. Maman, tiens, prends-la, bonne nuit. Non, c'est pas moi qui croyais la prochaine tournée. Hey! Hein? Sa vie parce qu'elle t'a volé quelque chose? T'es pas comme ta mère. Non, c'est vrai. Je suis pas comme ma mère. Ma mère, elle ne t'aurait pas tué. Arrête tes conneries, lâche-moi, j'irai rien en flic, je te dis, je te jure. Tu vois ce couteau? Tu le connais? Non? Non, tu le connais pas. Tu te moques pas de moi? C'est pas celui avec lequel tu aurais tué ma mère par hasard? Elle l'a bien mérité. Ah oui, qui mérite la mort? Tu penses que moi je vais la mériter après t'avoir tué? Toi comme ta mère, ça m'étonnerait très bien, tu sais. Tu veux voir la preuve que je suis plus courageuse que ma mère? Regarde, moi j'ose! Ah! Non mais je sais pas ce qui s'est passé. Maman, je sais pas. Je sais pas, t'étais quoi? Qu'est-ce que tu faisais? Non mais, je comprends pas. Tu tuais des gens? Tu volais? Tu faisais quoi? Non, parce que j'ai quand même tué une personne que je connaissais pas. Parce que je l'ai vue tuer avec une montre qui... Je suis paumée, maman. Je sais pas ce que je dois faire. Je sais pas, faut que quelqu'un m'aide. Tu me laisses toute seule comme ça? Avec un masque? Avec une combinaison... Et avec un meurtre sur le dos, j'ai tué un homme, maman, j'ai tué un homme pour toi.